Quelqu'un peut encore acclamer Jésus. Amen. Grande ma joie d'être parmi vous ce soir. Nous avons passé une bonne semaine de la semaine de la foi. Y a-t-il des gens qui étaient là la semaine de la foi? Gloire à Dieu. Nous rentrons à la montagne. Et je crois que fidèlement, que Dieu va nous faire du bien. Fidèlement, je crois que Dieu va nous faire du bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'archibishop Coutinho Fernando. Ainsi que la bishop Amy. Maman Amy, pour toute cette vision. Pour leur soutien. Leur amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la vie de nos parents spirituels? Enfin, lorsque je parle d'eux, je me sens privilégié d'être aussi leur biologique, donc ça me fait parfois bizarre, et ils sont vraiment une bénédiction pour ma vie. Gloire à Jésus. Je tiens à bénir la vie de tous les serviteurs présents, les anciens, les diacres, les bergers. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci aux musiciens, Voix de Victoire qui étaient là depuis la semaine de la foi et aussi qui m'accompagnent encore en cette semaine de la montagne. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Les protocoles, les médias, que Dieu vous bénisse. Merci à Maman Adeline d'être toujours là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour toutes ces personnes? Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour ta vie parce que tu réponds toujours présent. Non, quelqu'un peut bien acclamer. Amen. La grâce attire. La grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons pas du temps de la grâce. Lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons pas du temps de la grâce. Le temps de la grâce est différent de la grâce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Rappelons-nous, il existe deux périodes que nous voyons clairement dans le monde. Le temps de la loi. Le temps de la loi qui est venu par Moïse. Lorsque le temps est venu par Moïse, vous allez remarquer que dans le temps de la loi, on a plus... on a une image du Dieu très sévère. On a une image du Dieu très droit, très carré. Vous faites une chose, Dieu punit.
Vous allez même le voir quand quelqu'un commet quelque chose, la lèpre suivait directement. Parce que dans le temps de la loi, on n'a plus tant un Dieu très carré, très dur avec ses enfants. Il voulait qu'on atteigne une certaine perfection. Et vous allez remarquer, c'est pourquoi lorsqu'on attrape même la femme adultère, les gens ont raison de dire que lorsqu'on attrape quelqu'un de manière adultère, la loi dit que cette personne doit être lapidée. Parce que l'un des critères de Dieu qu'on avait, c'était un père fouettard. Il voulait essayer de rendre ses enfants parfaits. Mais après, vous avez vu qu'après le temps de la loi, il y a le temps de la grâce. Où il dit que lui-même va descendre. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Lui-même va descendre, non en tant que père, mais en tant que fils. Mais pour emmener une réconciliation entre le père et le monde. Et vous allez remarquer que lorsque le fils arrive, c'est ce qu'on parle du temps de la grâce. Et on voit des critères différents de Dieu. Vous allez savoir où je vous emmène. On voit des critères différents de Dieu. On voit un Dieu miséricorde, un Dieu lent à la colère, un Dieu quand son enfant pêche, il va d'abord attendre avant de peut-être le punir. Il lui laisse le temps de se repentir. Dans le temps de la grâce, nous commençons à voir. Au temps de la loi, il fallait faire des efforts pour avoir le pardon de Dieu. Mais au temps de la grâce, les efforts étaient fournis pour nous. Le Fils a fait tous les efforts qu'il fallait pour que nous puissions hériter du pardon. Et vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle de la grâce, on parle alors d'une faveur imméritée. Personne ne mérite cela. Mais parce que nous le méritons pas, c'est pourquoi ça existe. Alors, la grande différence qu'il y a entre le temps de la grâce et la grâce, le temps de la grâce est toute une période que les chrétiens où nous sommes. Mais quand on parle de la grâce de Dieu, vous allez remarquer que moi je vais vous choquer. Dieu peut faire grâce à ton voisin et pas te faire grâce à toi. La Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'année de la grâce que tout le monde aura la grâce de Dieu. Mais Dieu, lorsqu'on dit que la grâce de Dieu est sur notre vie, il y aura un moment donné, sa faveur sera sur ta vie. Ce qui fera en sorte qu'à un moment donné, les choses vont marcher de manière très facile. Quelqu'un dira, mais pasteur, à l'époque, à un moment donné, les choses marchaient très bien. Mais à un moment donné, ça ne marche plus. Ce n'est pas parce que le diable te bloque. C'est parce que la grâce que tu avais, la faveur qu'il y avait dans ce moment-là, la faveur qu'il y avait dans cette saison-là, c'est arrêté. Alors, lorsque la grâce de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, les choses commencent à s'ouvrir tout seul. Lorsque la grâce vient dans la vie de quelqu'un, les choses commencent à marcher tout seul. Lorsque la grâce est sur la vie de quelqu'un, les portes que tu as longtemps cherchées commencent à s'ouvrir tout seul. N'est-ce pas que la nature vous enseigne telle part? Aujourd'hui, vous allez dans les centres commerciaux. Lorsque vous arrivez, la porte s'ouvre seule. Tu n'as pas besoin d'ouvrir. Mais il y a un récepteur qui te détecte et qui ouvre la porte.
C'est exactement pareil avec la grâce. Celui qui marche avec la grâce n'a pas besoin d'essayer d'ouvrir les portes. My God. Celui qui marche avec la grâce n'a pas besoin de forcer les relations. Mais automatiquement, lorsqu'on te voit, les choses s'ouvrent. Lorsqu'on se voit, les choses s'arrangent. Lorsqu'on te voit, les relations se mettent. Je suis en train de déclarer une nouvelle saison. Je suis en train de dire au nom de Jésus, tu feras un pas ici, les choses vont commencer à s'ouvrir. Ah, tu iras à cette maison, on te fera du bien. Tu ne vas rien demander, rien chercher, mais à cause de la grâce, les choses ont commencé à marcher. Écoutez, la grâce est pareille comme celle-ci. Ngolu eza lolenge boye. Au début, Malobi. Sa vie, il forçait les choses pour que les choses avancent. Sa vie, il forçait les choses pour que les choses évoluent. Mais lorsque la grâce arrive, c'est comme une lumière qui se pose sur lui. Alors, il se fait que partout où il ira, les choses vont marcher d'elles-mêmes. Partout où il ira, la grâce repose tellement sur sa vie que les choses ne fera pas parce qu'il a fourni des efforts. Mais en réalité, lorsqu'on parle de la grâce, on parle que le ciel fournit des efforts à notre place. Le ciel Lola bouge pour toi. Et ningani po makambo ebongela yo. Le ciel Lola parle pour toi. Et lobi po bato sa yo. Le ciel Lola agit pour toi. Et bandi ko sala po na bolamu na yo. La grâce de Dieu, quand elle est sur notre vie, nous sommes moins conscients de la grâce de Dieu. Mais les gens qui nous entourent voient la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme Moïse qui monte à la montagne. Lorsqu'il descend, son visage rayonne. Lui, il ne sait pas que son visage rayonne. Mais les gens qui sont autour de lui sont en train de voir que son visage est en train de rayonner. En réalité, je suis en train de dire, Moïse est allé à la montagne. Toi aussi, tu es à la montagne. Moïse est descendu. Son visage rayonnait. Je suis en train d'annoncer que en sortant de cette montagne, je suis en train d'annoncer qu'en descendant de cette montagne, les gens vont voir la grâce qui rayonne dans ta vie. Je suis en train de dire, lorsque tu sortiras d'ici, les gens vont voir la grâce. Les gens vont voir la grâce. Les gens vont voir la grâce. Je le dis au nom de Jésus. Vous allez remarquer avec moi, lorsque les gens voient que le visage de Moïse rayonne, ils veulent faire quelque chose. Ils veulent mettre un voile pour ne plus voir le rayonnement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui a été divinement donné ne peut qu'être divinement enlevé. Quand c'est Dieu qui donne, alors il n'y a que Dieu qui peut enlever. Quand c'est Dieu qui a mis la grâce sur ta vie, laissons, même s'ils se rassemblent à plusieurs, ils disent to longole ngolu wana ngolu balongola kangote ngolu balokala balongola kangote ataba meki kolongola ngoma kokokate. Enlevons-lui la grâce. Enlevons-lui la grâce. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que la grâce n'est pas une substance. La grâce n'est pas une main. La grâce n'est pas un manteau. Mais la grâce est une personne. On ne peut pas tuer quelqu'un. On ne peut pas tuer Dieu. Parce que la grâce, c'est Dieu lui-même qui décide de t'accompagner. Oh my God.
le diable va m'entendre cette semaine. Le diable va m'entendre cette semaine. Le diable va m'attendre cette semaine. Je vois déjà le diable préparer ses bagages et courir. Oh my God, je suis en train de vous le dire. Je vois le diable préparer ses bagages et se mettre à courir. Azoki ma loi, azoki ma musika. Musika ndaku na yo. Musika famille na yo. Musika mambo na yo. Aïe 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 aïe. Lève-toi là où tu dis la grâce à Dieu. La grâce à Dieu. Vous ne pouvez pas ôter ce que Dieu a placé. Même si vous n'êtes pas d'accord de la grâce de quelqu'un, ça n'a pas été un choix des hommes, mais c'est un choix de Dieu. On ne peut pas t'enlever ce que tu as ôté. On ne peut pas t'enlever ce que tu as ôté. Écoutez, la grâce de Dieu marche avec le temps de Dieu. Lorsque la grâce est sur quelqu'un, ne soyez jamais un opposant de la grâce. Demain je parlerai de ça. Demain invite tous tes ennemis en cet endroit. Je leur parlerai des dangers de s'opposer aux hommes de la grâce. Celui qui a la grâce de Dieu, on n'est pas son ennemi, mais on prie pour devenir son allié. Jésus portait sur lui la grâce. Cet homme à la croix dit: je crois que tu es le Fils de Dieu. En réalité, celui qui est porteur de la grâce peut changer la destinée de plusieurs personnes. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne me dit pas un bon amen. Je suis en train de dire: parce que la grâce de Dieu est sur ta vie, il y a la vie de beaucoup de gens qui vont changer à cause de toi. La vie de beaucoup de gens. Dis avec moi: la grâce attire. Dis avec moi: la grâce attire. Prends 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Reste assis. Est-ce que vous y êtes? 1 Samuel chapitre 16 verset 1. My God, my God. 1 Samuel 16 verset 1. La Bible dit: l'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. Je t'enverrai chez Israël Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci: si les hommes ne veulent pas te donner, veulent pas donner ton adresse pour qu'on te fasse du bien, lorsque la grâce est sur ta vie, le ciel commence à donner ton adresse pour emmener les gens. Oh my God. Si les gens ne veulent pas donner ton numéro de téléphone, laisse-moi te dire que le ciel va s'en charger. Ce que le monde rejette, le ciel accepte. Ils ne veulent pas donner ton adresse afin qu'on ne te fasse pas du bien. Laisse-moi te dire une chose: ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Jésus. Maman est copée s'adresse non pour ma salle et l'homme au l'amour. Dis qu'à maman problème c'est l'eau n'est qu'à intervenir. Amen. Le ciel va intervenir. Le ciel va intervenir. Ce que j'aime quand le ciel se met à intervenir. Samuel n'a pas besoin de connaître David. Mais si Dieu le connaît, ça suffit.
Le président n'a pas besoin de te connaître. Si Dieu te connaît, il peut te qualifier chez le chef de l'État. Je suis en train de dire à quelqu'un, à ta façon, bon, le lobe, ma adresse, ma contact, ma relation. C'est pas grave. Il y a des choses que le ciel fait que les hommes ne sont pas capables de faire. Verset 4. La Bible dit, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Lorsque le ciel intervient, les hommes se soumettent à ce que le ciel dit. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, pour cette situation, le ciel interviendra. Oh my God, j'ai pas vu les mains de quelqu'un. Pour ce problème, le ciel interviendra. Pour ces questionnements, le ciel interviendra. Ah, je l'entends, Nicolas. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, la grâce met en disposition le ciel de le faire. Je prie au nom de Jésus, à cause de la grâce qu'il y a sur ta vie, que le ciel intervienne en ta faveur. Là où on prend les plus grandes décisions, que le ciel parle pour toi. Écoutez, reste, assieds-toi. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel a sali Yahweh lobaki. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Oui, la grâce attire. La grâce attire. En réalité, votre plus grand combat n'est pas moi. C'est ma grâce qui vous dérange. En réalité, tu ne comprendras pas que celui qui a plus d'argent que toi te combatte. Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas acheter la grâce. Parce que la grâce, on ne peut pas l'acheter. La grâce, on l'obtient de manière imméritée. La grâce attire. David était dans la brousse. Personne ne le voyait. Personne ne le connaissait. La Bible nous dit que Samuel est en train de pleurer. En disant, ah, Seigneur, on n'a plus de roi. Après Saul, on n'a plus de roi. Samuel, une des choses que tu dois connaître de Dieu, et ce que quand tu penses qu'il n'y a plus de réserve, Dieu a toujours des réserves avec lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, le fait que tu sois caché n'est pas synonyme d'être oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit que l'ânesse avait été attachée. Personne ne le mentait. Tout le monde pouvait penser qu'il avait été oublié. Mais en réalité, il avait été réservé. Dieu ne t'a pas caché. Dieu t'a réservé. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ça n'a pas encore marché, c'est parce que je suis la réserve de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, si je ne me suis pas encore marié, c'est que je suis la réserve de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un, si je n'ai pas encore touché les millions, c'est parce que je suis là. La réserve de l'Éternel. Mon Dieu, je suis la réserve de l'Éternel. Dis avec moi, je suis la réserve de l'Éternel. Je suis la réserve de l'Éternel. Oh
Oh, j'aime une chose, maman Bishop. Lorsqu'on rentre dans un magasin où il y a des baskets, les baskets vont être exposées. La basket qui est exposée, on va trop la toucher. Et le fait qu'on la touche trop, elle perd de la valeur. Elle devient sale. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un est exposé avant toi qu'il a plus de valeur que toi. Le diable va m'entendre ce soir. La basket est exposée. Mais ce qui me paraît bizarre, maman Bichot, lorsqu'on va acheter, le vendeur ne nous donne pas la basket qui est exposée. Mais le vendeur va à la réserve. Parce qu'en réalité, ce qui est caché a plus de valeur que ce qui est exposé. Mon Dieu, la basket qui est en réserve, lorsqu'elle sort, elle a plus d'éclat. Lorsqu'elle sort, elle attire l'attention. Mais celle qui est exposée, on l'oublie, on la néglige. J'aimerais dire à quelqu'un, ils ont été exposés avant. Ils ne sont pas les réserves. Ils se sont mariés avant. Ils ne sont pas les réserves. Ils ont eu l'argent avant. Ils ne sont pas les réserves. Vous devez savoir une chose. La Bible nous montre ancien. Tout ce qui est venu en deuxième a toujours été la réserve. N'est-ce pas que la Bible dit? Le voleur vient en premier. Le sauveur vient en deuxième. N'est-ce pas que la Bible nous montre? Le bon vin est servi, le mauvais vin est servi en premier. Mais la Bible nous dit à Cana, le meilleur vin est servi en deuxième. Ce que je comprends, ce qui vient en premier n'est souvent pas la bonne chose. Saoul est venu en premier, n'était pas le choix de l'Éternel. Fadji est venu en premier, n'était pas le choix de l'Éternel. En réalité, si tu n'es pas premier, laisse-moi te dire que tu n'es pas dernier. Parce que la Bible dit, les premiers deviendront les derniers deviendront les premiers. Oh my God. Si tu es venu après, ça ne veut pas dire que tu es dernier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis la réserve de l'Éternel. Beaucoup viennent dans les magasins. Voient la basket et la touchent. Voient la basket et poussent la basket. La basket perd sa valeur. Mais il y aura un jour, quand quelqu'un viendra au magasin, il va voir la basket. Mais il dira, moi je ne veux pas ça. Je suis prêt à payer le prix pour ce qui est caché. L'année était cachée. L'année s'était attachée. J'aimerais annoncer à quelqu'un que tout lien, que tout attache n'est souvent pas toujours diabolique. L'année s'était cachée. L'année s'était attrapée. Non parce que le diable en voulait à sa vie, mais parce qu'il était la réserve de Dieu pour accomplir une promesse. J'aimerais dire, même si tu n'avances pas, ça ne veut pas dire que le diable t'a eu. On ne touche pas aux hommes de la grâce. On ne touche pas aux femmes de la grâce. On ne touche pas à celui qui a la faveur de Dieu. Si je n'avance pas, ça ne veut pas dire que le diable me combat. Mais comme je vous ai dit avant, la grâce de Dieu marche avec le temps de Dieu. Écoute, j'aimerais vous montrer un exemple. J'ai fait mon premier séminaire ici à Kinshasa. Personne n'est venu. Il n'y avait pas plus de 200 personnes. Tout le monde disait à côté, Abissoni ni Mwana Wana.
Mais je suis surpris que 5 ans après, je me retrouve ici. L'église est remplie. En réalité, la grâce marche avec le temps. La grâce t'affirme dans le temps. Je suis en train de prophétiser. Attends les lobes bois qui s'y ont. Va négliger. Souka souka. J'aimerais te montrer quelque chose. J'aime. Je prends ce billet de 500. Même si je le déchire, est-ce que le billet perdra sa valeur? Même si je le mets par terre, est-ce que le billet perdra sa valeur? 500 francs. Même si je l'écrase, est-ce que le billet deviendra des 100 francs? Non. J'aimerais dire, attends la saison et les qui? Ba fina qui yo? Yoka. Ba bois qui on a se? Yoka. Ba nyata qui yo? Zambé, alors on a qui valère na yote? Ba sala o nyo so balingi ba sala? Yoka. Ba roki sa valère na yote? Amen. Laisse-moi continuer rapidement. La Bible dit, Dieu dit à Samuel, tu iras chez Isaïe. Aucun n'est pas Isaïe. Le Bethlémite. Mouton à Bethléem. Oh, Samuel. Samuel. Va dans une toute petite maison. À quel endroit comme il accepte. Ndimi. Il obéit. À Tosi. Il fait ce que Dieu lui a dit. À Sali onza mais c'est qui a ça là? Si c'est Dieu qui parle. Ce qui nous amène à l'obi. Alors ça se fera. Et au salama. Yes. Samuel va. Samuel a qui? Il marche. Mais au tambola. Entre temps. Wana. Pendant que Dieu discutait avec Samuel. Wana nous sommes dans ce lola na Samuel. David était occupé dans la brousse. David y est na bampa tene na zamba. J'aimerais dire à quelqu'un. Néna bala mutumogo. Tu n'as pas besoin de te présenter. Ozana posa to salawana. Laisse le ciel te présenter. Tika lola et memayo. Écoutez, Yoka. Je suis déjà arrivé dans des séminaires. Et si na komi na likido. Dans des séminaires où les gens me négligeaient. Na séminaire où batubaya kité. Me négligeaient, ils disaient, on a des séminaires avec beaucoup de gens. Bah oui, nous avons des séminaires na batubélé. Et ils disaient, ah, à faire quoi? La vie hier au Lobanine. Alors, ce jour-là. Mokolango. Le pasteur qui nous avait invités. Pasteur a bien sacré biso. C'est dit comme na moi na mukina ote ailo ya pamba atianga mutali boso. Enlever les vidéos. Errer la vie. Vous savez dans la vie, hein, lorsque les hommes veulent vous diminuer à 5 minutes, pendant ces 5 minutes, traumatise-les. Il me disait, tu vas juste faire 10 minutes. Ensuite, après, tu vas laisser au papa et au maman faire. Je ne dis pas de soucis. Et avec plein d'humilité, j'ai dit, je vais juste introduire. J'ai mis le chronomètre. Je n'ai pas mis à 10 minutes, j'ai mis à 7 minutes. J'ai pris le micro. J'ai lu un verset. Tout est possible à celui qui croit. J'ai pris cela. J'ai commencé à prêcher. Tout le monde était debout. J'ai remis le micro. Le pasteur m'a dit continue. J'ai dit tu m'as juste donné 10 minutes. Lorsque les gens venaient, les prédicateurs qui venaient avant moi, ceux qui m'appelaient l'enfant commencent à dire la servante de Dieu a dit. Vous savez c'est quoi la grandeur? Lorsque les gens marchent sur vos pas pour essayer de se glorifier. Quelqu'un n'a pas compris. Il s'appuie sur tes exploits pour montrer qu'il te connaît. Hier, il t'avait négligé, mais commence à dire, je connais telle personne. En réalité, je suis en train de dire, comme prophète, tu deviens une référence. J'ai remis le micro, pasteur, il m'a dit, continue. Pasteur, je l'ai dit aussi aux oreilles. Pasteur, tu m'as donné que 10 minutes. Il a vu que tout le monde était debout. Il a vu que tout le monde était debout. Il a vu que tout le monde était debout.
Le pasteur s'est dit comment je vais faire. Pasteur Bino, c'est la nina. A tout n'a quitté. C'est pourquoi dans la vie, lorsque les hommes te minimisent, n'essaye pas de te présenter. Lorsque les gens te minimisent, n'essaye pas de faire des œuvres qui vont les convaincre. Mais laisse le ciel parler de toi. La Bible dit, Jésus était à côté de Élie et Moïse. La voix se fit entendre des cieux et dit, voici mon fils. Il ne pointe pas le doigt à Élie, il ne pointe pas le doigt à Moïse, il ne pointe pas le doigt à celui qui a fait descendre le feu, il ne pointe pas le doigt à celui qui a séparé la mer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu feras peut-être moins que les autres, mais le ciel témoignera plus que tout pour toi. Dans 15 minutes je termine. Dis à ton voisin, dans 15 minutes le pasteur a terminé. Samuel arrive. Samuel a commis. Il arrive. A commis. Petite ville. Engouma Mouké. Petite maison. Ndako Mouké. Tout le monde est surpris. Batnyo Sobakamwe. Comment un si grand prophète Mosakoli Monene boy peut venir dans une petite maison? Afoyana Ndako Mouké oyo. En réalité, Abosolo. Ce n'est pas mon environnement qui a attiré Dieu. Eza esika na vanda katende bendi nzamba talanga. Ce n'est pas mon niveau social qui a emmené Dieu. Eza bomo inanga lelo tende sali nzamba elukanga. Ce n'est pas mon nom de famille qui a emmené Dieu. Eza te kombo libota nanga de bengi nzamba. Mais c'est à cause de la grâce qui crie sur ma vie. Eza pona ngolo e vandi kati na bomo inanga. J'aimerais dire à quelqu'un, Nengena bana mutumago. Ce qui va emmener les princes de ce monde chez toi à la maison. Eza salete bakonza mokilo ba lukayo. Ce n'est pas ton nom de famille. Eza kombo ba bengi la kote. Ce n'est pas la maison tu habites, mais c'est à cause de la grâce de Dieu qui vient sur ta vie. Samuel arrive. Samuel a commis. Tout le monde dit, qu'est-ce qu'il fait ici à la maison? L'onction de qui a attiré Samuel ici? L'étoile de qui a emmené les mages ici? La grâce de qui a emmené le chef de l'État dans la maison? Eux, ils se sont battus. Eliab était avec Saoul, mais Eliab n'a jamais vu Samuel. Eliab était avec Saoul, mais Eliab n'a jamais vu Samuel. Shama était avec Saoul, mais n'ont jamais rencontré Samuel. Pourtant, Samuel est l'autorité morale de Saoul. Donc, Samuel est l'autorité morale de Saoul. Mais David n'a jamais rien fait. David a salé le côté. David n'a pas prié. David a bon délit. Ce que j'aime avec la grâce, on a la grâce peut emmener ce que nous n'avons jamais demandé dans la prière. Ngolwe comme melayo oyo sambela pona ngote ngolwe salé te lukayo. Dieu, l'ange dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Moi je l'ai bien amalé aux yeux de l'Éternel. Marie n'a jamais demandé d'être la mère de Jésus. Marie a bondé la tête à la maman Jésus. Que la grâce emmène ce que tu n'as jamais demandé. Ngolwe pesa yo oyo sengate pa ya Nzambe. La Bible dit. Bible le dit. Samuel lorsqu'il arrive. Samuel t'a commis. Tout le monde commence à s'agiter. Pour qui est-il venu? Balobi aye po na nani. Il est venu pour qui ici? Aye po na nani ao. Ma Bible me montre. Bible est allée singa. La petite maison. Ndako moke. Était devenu l'endroit du spectacle. Et comment qui est si ko batubande ko tala makamu. La petite maison. Ndako moke. Était devenu un stade des martyrs. Et comment qui loko la stade des martyrs batubele baye. Tout le monde est rentré. Batubele baye. Pour voir pour qui Samuel est venu. Pona ko tala mosakoli monene aye pa ya nani. J'aimerais te dire. Nene bisayo. S'il te connaissait comme simple berger. Soki baye ba ki oka loko la berger moke mokengeli moke. Ils seront spectateurs comme roi maintenant. Samuel arrive. Samuel a commis. Il rentre dans la maison. Tout le monde dit, pourquoi tu es là? Il dit, je viens offrir un sacrifice. Isaïe appelle tes fils. Isaïe prend Eliab. Je suppose même que c'était son enfant préféré. Il commence à le préparer. Il dit, mets le costume. Mets les chaussures. Lorsqu'il est question de la grâce, le vêtement ne compte pas. La chemise n'influence pas. La montre n'influence pas.
n'influence pas le temps. Les souliers n'influencent pas la marche. Lorsque c'est la grâce, Dieu a déjà choisi. Il le met. Chemise. Il dit va. Il est sûrement venu pour toi. Il est venu pour toi. Parce qu'il est grand, parce qu'il est fort. Mais Dieu dit, Zambalobi, ne fais pas attention à son apparence. Il dit parce que je l'ai rejeté. Hier, le bishop John l'a expliqué, j'aimerais encore l'approfondir. Il dit, je l'ai rejeté. Il a dit pour une personne aussi. Il a dit pour Saoul. Mais lorsque je lis le dictionnaire français, on ne peut pas parler de quelqu'un qui est rejeté s'il n'a pas d'abord été sélectionné. On ne peut pas rejeter quelqu'un qui n'avait pas d'abord été choisi. Saoul, on a parlé de rejet parce qu'il était roi. Mais pourquoi concernant Eliab on parle aussi de rejet? En réalité, Eliab était l'un des premiers choix de Dieu. Le fait qu'il était un aîné, il avait cette grâce-là. Alors Dieu s'est dit qu'il pouvait sûrement choisir Eliab. C'est comme ça que même Samuel s'est trompé. Parce que tout était bon pour Eliab. Il y a des gens qui n'ont pas l'onction. Il y a des gens qui vivent avec le reste de l'onction. Élie n'a pas l'onction. Élie le sacrificateur n'a pas l'onction. Mais il a le reste de l'onction. Élie était au préalable choisi. Mais pourquoi Dieu l'a rejeté? Parce que Dieu connaissait le plan qu'il avait formé. Si Élie arrivait devant Goliath, Goliath. Eliab allait dire que c'est ses propres efforts qui a fait ça. Eliab. Et la gloire de l'Éternel n'allait pas se montrer. Mais la Bible dit il prend les faibles pour confondre les forts. Dieu a rejeté Eliab parce que Eliab allait emmener sa propre gloire. Eliab et Psaume 119 dit ceci: non pas à moi Éternel, mais qu'à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Dieu dit, je l'ai rejeté. Isaïe dit, ok, j'ai un autre fils. Il ramène Shama. Il ramène Abinab. Abinadab. Dieu dit, aucun d'eux, tu ne bougeras pas d'ici tant que tu ne trouves pas celui que j'ai choisi. Il y a de ces gens-là qui sont derrière les opportunités. Mais il y a des gens comme moi et toi où ce sont les opportunités qui sont derrière nous. David s'occupe des brebis. Il ne savait pas que la grâce qu'il avait sur sa vie venait d'attirer quelqu'un de grand. Il est en train d'être dans la brousse. Il arrange les brebis. Il pue. L'odeur de la forêt. À un moment donné, lui qui était absent lors d'un moment de décision, il y avait quelqu'un qui n'était pas absent. Je suis en train de prier là où ils sont en train de prendre les décisions, où ils vont dire que tu sois viré, ils vont dire que tu sois nominé. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que toi tu ne seras pas là, Dieu sera à la table de décision et il va parler pour toi. Je termine dans 5 minutes. La Bible dit, ce jour-là, Mokoloana, tout le monde est disqualifié. Tout le monde commence à se dire, mais pour qui il est venu? Personne n'a calculé David. Mais Dieu avait tout son calcul pour son fils.
Tu n'es peut-être pas le choix des hommes. Mais laisse-moi te dire que tu es le premier choix de Dieu. David, il était caché. Samuel dit à Isaïe. Ils sont tous là, tous tes fils. Isaïe dit, celui-là que tu cherches, tu n'es pas venu pour lui. Vous savez, dans la vie, on rencontre des gens qui savent déjà décourager les personnes qui doivent nous faire du bien. Quelqu'un en train de dire que je veux lui donner $500. Vous avez mis ça au salaire en ligne. Au salaire, la $500 en ligne. Yo, au salaire, la $500 en ligne. Comment tu peux décourager quelqu'un? La grâce de Dieu marche avec le bon cœur. Tu veux vivre la grâce et le bon cœur. Isaïe commence à décourager. Celui que tu cherches là. Inutile. Il a les mains invalides. Il ne fait rien. Mis à part d'être dans la brousse. C'est pas pour lui que tu es venu. Tu es venu pour eux. Tu ne les connais pas. Ils se battent déjà avec Saoul. Non. Ça, c'est ton témoignage. Mais que dites-vous de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Pierre dit, ce n'est pas le sang et la chair qui m'ont révélé cela. Mais c'est le Père qui m'a parlé le sang. Écoute, Yoka. Leur témoignage ne vaut rien devant le témoignage de Dieu. Samuel dit, appelle-le. S'il ne vient pas, ce qui a été, personne ne va bouger d'ici. Isaïe se sent contraint d'appeler David. David est. David. Sinon, s'il était, il était congolais. Yo, David, yana noa. Yaka. Oseni souni. Oibi watu. Yo, yana noa. Boluka oa. David. David. Il vient. Aye. Il laisse les brebis. Petit comme il est. Il marche. Aye. Tout le monde était en train de fermer leur nez. Il dit ya solo. Aujourd'hui. Lelo. Aujourd'hui. Lelo. Je sens les brebis. Nazo bimisa solo ba. Aujourd'hui. Lelo. Je sens la brousse. Nazana solo azamba. Aujourd'hui. Lelo. Je sens le caca des brebis. Nazana solo ya boso tabanyama. Mais lobi ekoleka lelo. Demain je sentirai la royauté. Lobi na kobima na solo ya malonga. Tout le monde avance. Ils sont en train de regarder comment David marche. Samuel devant tout le monde. Samuel, il dit, voici le prochain roi d'Israël. Voici le prochain roi d'Israël. Tout le monde regarde et dit, comment c'est possible? La grâce aime se débrouiller. La grâce rend possible ce qui est impossible. Je ne sais pas pour qui je parle. Je suis en train de dire à quelqu'un que la grâce va rendre possible ce qui est impossible. Aïe, aïe, je ne sais pas qui me comprend. La grâce va rendre possible ce qui te paraît impossible. C'est difficile, mais dans la grâce c'est possible. C'est difficile, mais parce que je suis réservé dans la grâce, alors c'est possible. David, avait attiré Samuel. Samuel. À cause de la grâce. Il a attiré Samuel. Bendaki Samuel. Sans effort. A tokate. Sans relation. Aye banana ete. Sans contact. A benga ete. Sans publicité. A sala publicité. Sans bouche oreille. Eh, alobate bo betele sango. Mais pendant que lui il dormait. Wana ya lala ki. Le ciel travaille. Lo le bandeko sala. C'est pourquoi je suis en train de dire. Yango na zoloba. Nzambe na buto alelo. Eh. Tant ou ka kona kolala. Que lola ekote. Ekota. Yawe na buto alelo. Tant ou na zolota.
Prophétise au nom de Jésus que pendant que tu seras en train de dormir, pendant que toi tu n'auras aucun calcul, pendant que tu seras dans la brousse, tu te demandes qui va encore se souvenir de moi. Mais la Bible dit, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai point. J'aimerais dire à quelqu'un, pour l'amour que Dieu a pour toi, il n'aura jamais de repos. J'aimerais dire à quelqu'un, pour l'amour que Dieu a pour toi, lui t'es jour il va travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, même si le diable se lève, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais dire à quelqu'un, même s'ils viennent nombreux, la Bible dit, ils viendront d'un seul chemin et leur retour se fera sur ce chemin différent. Même s'ils essaient de te tuer, même s'ils essaient de t'empoisonner, la Bible dit, vous buvrez des meurs mortel et vous ne mourrez point. J'aimerais déclarer, prophétiser que la grâce qu'il y a sur ta vie puisse emmener les grands de ce monde. Que la grâce qu'il y a sur ta vie puisse ouvrir des portes. Que la grâce qu'il y a sur ta vie emmène les princes de ce monde, emmène les chefs d'État, emmène les rois de ce monde. Je le dis au nom de Jésus. Je le dis au nom de Jésus. Que l'homme Lobby, je bénis cette parole dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout. Commence à prier. Dis à Dieu, lobby et le calélo. Yes. Lelo na zo solo ya yazamba. Lobby na ngai le calélo. Lobby. Lobby na ngai lobby ya malonga. Lobby na ngai la lobby ya bilé. Lobby et le calélo. Lobby na ngai lobby ya malonga. Yahweh. Makamona zo mona lelo na ndanga lobby te. Lobby na mona makambo sika. Lobby na mona ke voisi. je suis la réserve de l'éternel. Commence à prier. Si je suis la réserve de l'éternel, même si aujourd'hui ça ne marche pas, je suis la réserve de l'éternel. Je suis la réserve de l'éternel. Élève ta voix, Réserve à Yahweh. Naza moton samba te pembeni. Naza moton samba zo zelisa. Naza réserve à Zambé. Pona tana nga makambo chanté. Naza réserve à Zambé. Pona tana nga makambo bongwana. Naza moton samba te
bache pembeni Nata mouton tamba gose lisa Nata reserve ya yawe Nata mouton tamba gose lisa Prie là où tu es, prie là où tu es Bache mouton tamba pembeni Zambende tenga pembeni Zambende gose lisa nga Zambende gose lisa nga Nata reserve ya nzambi Nata reserve ya famite reserve ya nzambi Nata reserve ya batute reserve ya nzambi Nata di mangonga nange kokoka Bape na kokota Bakote tapeli solo nanga Ono de Jésus. Trois fois la grâce attire. Une. La grâce attire. Deux. La grâce attire. Trois. La grâce attire. Tu vas prier. Bon de là. En disant que la grâce puisse attirer les grands de ce monde. Que la grâce attire les gens élevés. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. La grâce attire. Ah, 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 ah. Quand encore. Quand encore. Ngolwe bende langa ba connexion malam, ngolwe bende langa ba voyage, ngolwe bende ya malonga na dinanga, ngolwe benda esengo, ngolwe benda kimia, ngolwe benda bikamwa, ngolwe attiré Seigneur, eya eya ngolwe bende langa, e bende langa, bitumba temene ningi ngolwe benda elonga, ngolwe bende langa elonga, ngolwe benda ya malam. Ngolwe bende langa po le Seigneur, ngolwe attiré ya malamu elukanga, ya malamu elandanga, ya malamu elandanga, na sengi ngoluna yo, ebenda na nord, ebenda na sud, ebenda na est, ebenda na ouest, nyonso ya malamu, le bien des valeurs, ngolwe bende langa yango, ngolwe bende langa yango, ngolwe bende langa yango, ngolwe bende batwa minene, balukanga, ngolwe bende ba opportunité ya malamu, ngolwe bende langa mabaku ya malamu, ngoluna yo Seigneur et ben de langa ya malam ngolwe benda na bomo inanga nyonso ya malam alléluia nyonso ya malam ngolwe ta la lokola ema et benda ya malam na bomo inanga et attire nyonso ya malam Jésus lève tes mains je vais prier pour toi tombola maboko na kosambela pona yo père tata je suis en train de prier nazo sambela toi qui m'as mandaté ce soir yo oyo tindinga na poko alelo. Je prie que la grâce emmène des grandes personnes. Je prie que la grâce sur leur vie fait déplacer des Samuel jusqu'à leur maison. Je le dis au nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce qu'il y a sur sa vie emmène des victoires. Emmène des victoires. Emmène des victoires. Emmène des victoires. Au nom de Jésus. Trois fois encore, la grâce attire. Une. La grâce attire. Deux. La grâce attire. Trois. La grâce attire. Trois fois, nous disons Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur. Mettez la colombe à beaucoup. Beta, 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 beta. Élève ta sémence. Tombe la colonne à eux.